Hello tout le monde, nouvelle vidéo sur Ghost of Tsushima. J'espère que vous allez bien. Alors, on va se faire la mission annexe. Battez les ronins qui attaquent l'auberge. C'est pas ça le nom de la mission. Dernière volonté. Le nom de la mission est dernière Les volonté. ronins qui massacrent ces gens. Allez, on va Comment faire une petite sortez vos épées? confrontation. On va faire une confrontation. Ils mettent des feintes. Tu meurs. Tu meurs. Prochaine. Eh, je l'ai pas vu arriver le jeu. Oh, tu vas mourir maintenant. Tu meurs tout de suite en fait. Hop, petite flèche dans ta tête. Ah! Moi aussi je sais le faire, enfoiré. Ils font mal, hein, ces bâtards. J'ai du mal avec eux, ils sont rapides. Hein. Allez hop! Ils sont très très chiants. Ils m'ont fait mal ces bâtards quand même. Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, j'ai tué tout ça quand même. J'avais pas l'impression qu'il y en avait autant. Alors, il y a un truc à récupérer dans le secteur, c'est ce que je disais avec la tenue là. Voilà, c'est ça. Artefact mongol. Bah, du coup, ils ont tué tout le monde, c'est ça? C'est quoi ça? Des flèches, des provisions? Du lin? Ah, là-bas, il y en a encore à tuer. Ils m'ont pas vu, hein? Et voilà, monsieur. Ils ont pas mal de vie en plus, hein, les ronins. Ils sont même plus forts que les Mongols. Bon. Quand ils sont moins nombreux, c'est plus évident. Des provisions. Ils n'étaient pas si nombreux que ça. Je m'attendais à ce qu'il y avait plus de monde quand même. Comment on fait pour entrer dans le bâtiment là? Dans le bloc. Bah à mon avis non, il n'y a pas de survivant. Ah si. Attends madame, je loot. Le loot est plus important que toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah là, il y a des trucs intéressants. Du cuir, une bombe collante. Du lin, je veux. Là-bas, je vois une provision, deux provisions. Hop. De quoi c'est les kunai? D'ailleurs, en parlant des kunai, je devrais peut-être les équiper. J'ai pas un point de. Attends, mais j'ai des points de compétence, des points de technique là. C'est moi qui pète un plomb. Y a pas pour améliorer les kunai, tiens. Là je valide. Les kunai infligent deux fois plus de dégâts. Poussière aveuglante. Ça peut être pas mal aussi.
C'est quoi ça? Une aura lumineuse. Les carillons lancer un pétard pour atteindre. Ok. Poudre explosive. Mais ça fait rien à sa caille, apparemment. Éclat d'explosion. Oh, ça, c'est quand il y a vraiment beaucoup de monde, quoi. Ouais, j'hésite. Ou alors peut-être la posture. C'est quoi? C'est contre les brutes, ça? Coup de grâce. Allez. J'en prends un comme ça. Et ça, c'est quoi ça? Effectuer trois frappes tournoyantes rapides. Maintenez triangle puis relâchez sur triangle deux fois. Puis appuyer sur triangle deux fois, pardon. Je vais prendre ça, tu vois. Je vais prendre ça. Ah, j'ai des points de compétence et moi je les mets pas. Tout va bien. Le mec il a rien compris. Allez, on va retourner voir la survivante du coup. Économisez-vous. Monseigneur, aidez-moi. Pourquoi les renards ont-ils attaqué? Je l'ignore. Ils ont emmené tous les hommes de force. Et ils ont pris mon époux, Oda. Savez-vous où ils allaient? Ils ont dit qu'ils se rendaient dans une gorge, au nord. Je vous en supplie, sauvez mon Oda. Dernière volonté. Elle doit parler de la gorge solitaire, un endroit prisé des voleurs et des marchands d'esclaves. Alors, trouver le camp de Ronin près de la gorge. Alors, c'est pas à côté apparemment. Ah ouais. Eh ben, on va faire un voyage rapide parce que c'est pas à côté. Ah, t'imagines là, rien que le chemin pour aller là-bas, ça va me prendre toute la vidéo. Allez, dernière volonté. On y va tout de suite. On n'en est plus très loin. Oh, il va sûrement y avoir de la baston comme d'habitude. Hein. Alors on y est presque, je vais essayer, s'il faut tuer tout le monde bien sûr, de me les faire, ouais, voilà, en mode discret. Je vais analyser le terrain d'abord comme il faut. On a deux débilos qui étaient en train de s'entraîner. Avec des mecs de partout là. Faut pas que je me loupe. Voilà, on a un petit coin de tranquillité. Personne en haut. On en a un qui est tout seul. Je pense qu'il peut être assassiné. Ah ben voilà, c'est loupé. Je sais pas s'ils m'ont vu. Ça va, ça sort bien. Alors, je sais pas si ça a affolé tout le monde. J'espère pas, je crois pas. Ah, il y en a un en haut là. Eux là-bas, ils sont beaucoup trop loin. Parfait, où il est?
Ouais, il est en train de se faire piquer dans tous les sens. Il a survécu. Écoutez. Il a survécu. Ma foi. Incroyable. En plus, c'est quoi? C'est des frelons asiatiques là, normalement, c'est ça. Ah, c'est pas vrai, tu m'as pas vu. Par contre, lui, je me lâche à la flèche. Voilà, on va pas prendre de risque. Combien ils sont? Bah, il n'en reste que 3. Comment ça, il a vu quoi, lui? Allez, une bonne petite flèche explosive, hein, parce qu'ils font les malins là-bas. J'ai vu un truc qui pouvait m'intéresser. Ben non, mais j'en ai même pas besoin en fait. Allez, on récupère tout. Ah, il y a des coffres. Incroyable, monseigneur. Ouais, bon, t'as pas vu le début, hein. C'était incroyable la fin, mais le début, c'était pourri. Des coffres partout. Du cuir. Ah, il doit sûrement y avoir plein d'autres trucs à récupérer là. On va faire le tour. Ça m'étonne qu'il n'y a pas de collectables. De conneries dans le style. Du lin. Du bois d'if. Bon, je pense qu'on a tout récupéré, le plus important. Je crois pas qu'il y ait autre chose. C'était incroyable, monseigneur. Oui, tout à fait. Vous ont-ils enlevé à l'auberge? Non. Ils sont passés ici, puis sont partis vers l'est. Où exactement? Ils ont parlé de falaises près de la rivière. Je connais cet endroit. Prenez des provisions et mettez-vous à l'abri. Allez, faut trouver un autre camp, trouver le camp de Ronin en haut des falaises. Je sais pas combien de camps on doit trouver, mais en tout cas, ce serait la mission annexe la plus longue que j'ai dû faire sur ce jeu pour le moment. On est à 13 minutes et j'ai pas fini. 13, 12 minutes, un truc comme ça. Sauf si vraiment j'arrive à les enchaîner rapidement. Ce qui m'étonnerait. Déjà, il y en a un en face là. Voilà les falaises où se rendaient les Ronins. Ah, c'est tellement tentant. Il est tout seul. Bien sûr, ils vont trouver son corps après, parce que bah il bouge. Ils vont alerter peut-être leur poteau. Bah, ils sont pas beaucoup, hein. Lui, il prend une tête.
Lui, on l'assassine. Je sais que tu es tout prêt. On va rentrer. Et gardons nos armes à porte-main. Alors l'autre il bouge pas. L'autre il a le feu au cul, il fait les quatre coins du camp. C'est lui ? Oh mais c'est qui ? C'est lui ! Allez, on n'a pas le time. Il s'attendait pas à ce petit coup de crevard. Apparemment, il y avait un nid ici, ouais. Il n'avait aucune chance contre vous. Ouais, ça dépend. Après, s'il commence à être 10-15, c'est un peu compliqué, monsieur. Je vais prendre le cuir. Attends 2 secondes, là, j'arrive. Ne bouge pas. On fait un petit tour du camp. Récupérer ce qu'il y a à récupérer, bien sûr. C'est plus important que toi. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Hein. C'est pas un gros camp, c'est un petit camp. Ah, mais il y a un coffre. J'avais même pas vu le coffre. Ah là-bas, il y a un truc qui brille. Attends, ça brille, monsieur. Du lait. Là, on peut parler. Vous ne craignez plus rien. Merci, monseigneur. Ces renins méritaient de mourir. Ils ont tué des innocents à l'auberge. J'en ai reconnu plusieurs. Ils étaient au service du clan Yarikawa. Les survivants de la révolte. Ils sont toujours les traîtres qu'ils étaient. Il y a d'autres prisonniers. Les renins ont capturé Oa, Ioe et Oda. Alors Oda est en vie. S'il y a des morts ici, occupez-vous des corps, puis allez vous mettre à l'abri. C'est pas fini. On a encore un camp à 140 mètres. On va y aller tout de suite. On va aller s'occuper de ces chapeaux de paille. Y mettre un petit peu une allumette pour les faire brûler les chapeaux de paille. Oda est là, quelque part. Quoi, ça y est, on y est là ? Ah ouais. Ouais, c'était pas si loin que ça. Ah là, j'ai l'impression qu'il y a même des Mongols. Ah ouais, du monde là. Il y a un peu plus de monde. Par contre, là, pour être discret, vu qu'ils sont tous au même endroit, ça va être compliqué. Hein, faut dire ce qui est. Est-ce que ouais, c'est les carillons. Je sais même pas, ouais non, c'est mort. Je suis obligé d'y aller en mode barbare quoi là. Me faudrait un mec costaud. Tiens, sur lui. À couvert, vite!
De la baston. Moi aussi, regarde, vais. Toujours. Allez, toi tu meurs. Le Ronin maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, le pyromane, tu vas te calmer. Bon. Je crois que... Ah, je me suis trompé. J'ai cru que c'était un truc à récolter, mais en fait... ça, non, on en a. Les provisions... Les provisions, je sais pas combien je dois être, hein, mais... Je dois en avoir pas mal. Monseigneur. C'est quoi ça? Ça, c'est des flèches. Provisions planquées. Bon, ici, il n'y a que des provisions, pratiquement. Bon, c'est mieux que rien, hein, mais bon. Ah, et un coffre, j'ai rien dit. En même temps, ils sont petits. Comment tu veux les voir, les coffres? Pour le moment, c'est vraiment la mission annexe la plus longue. Hein. Sans parler des histoires principales. Seigneur, je vous en prie. Dépêchez-vous d'aller à l'auberge. Ma femme a été blessée. Je lui ai parlé. Elle est... Ses dernières pensées étaient pour vous. Oh non. Ma pauvre épouse. J'ai vengé sa mort. Ces Ronins ne feront plus jamais de mal à personne. Merci, monseigneur. Je dois la revoir une dernière fois. Lui faire mes adieux. Dernière volonté. Bon, on gagne encore un point de compétence. Je vais pas oublier de le mettre tout de suite. Charme de destruction double. Charme d'attaque, donc. Les attaques ont 10% de chance d'infliger deux fois plus de dégâts. Alors, on a eu du cuir. Ah, lui, il avait des provisions. Alors... Ah, du coup, on est là, en fait. Ok. Le point de compétence. Je vais le mettre sur quoi? Infliger des dégâts croissants à chaque coup de votre volet. De votre volet. Et ça, c'est quoi ça? Exécuter les attaques puissantes de la posture de la pierre à une vitesse ravageuse. On va plutôt prendre celui-là. Technique apprise. Bon, ben, on arrive à la fin de la vidéo. Ça va être une des missions annexes les plus longues que j'ai pu faire depuis le début du jeu, en fait. J'espère que cette vidéo vous plaira ou vous a plu, comme d'habitude. Restez peace, aimez-vous les uns les autres, et salut, ciao, et à la prochaine avec un peu de flûte.